l'église de Saint-Marita. Durant les travaux de restauration des cellules monastiques qui existent au-dessous du mur du Nord et devant l'église des Souriants, ont été découvertes les fondations de l'église de Saint-Marita, au sud du chœur, qui existe au bout de l'autel de l'église de la grotte et qui date du 8e siècle. Ses dimensions à l'intérieur sont de 6 mètres de long et 3,85 mètres de largeur et se prolongent du côté de l'est. L'emplacement actuel du monastère, parce qu'on l'appelle la Robatea, jusqu'au mur de l'ouest à l'entrée de l'église de la grotte. Un porteur d'icônes en bois a été placé comme séparation entre l'autel et le reste de l'église. Les murs de l'église sont décorés de l'extérieur par deux icônes de mosaïque. L'icône ouest figure la Sainte Vierge Marie, donnant 3 dinars à Saint Yahnes Kama. Et l'icône est figure Marie Flamme El Selouani. Le mur ouest de l'église comporte la porte principale au-dessus de laquelle il y a une icône en mosaïque de Saint Marita il Souriani. L'église est située au sud-ouest de l'église, de la grotte qui comporte une deuxième entrée aboutissant au dernier cœur de l'église de Saint Marita. Son éminence, Abba Mataos, a célébré la première messe sur l'autel de cette église le 10 octobre 2017.